de votre vie. Les balles de golf sont les choses importantes. Votre famille, vos amis, votre santé, vos passions. Les cailloux sont les autres choses importantes. Votre voiture, votre travail, votre maison. Le sable représente tout le reste, c'est juste les petites choses. Maintenant, si vous mettez le sable dans le bocal en premier, vous n'aurez pas la place pour les cailloux ou les balles de golf. C'est la même chose dans la vie. Si vous consacrez tout votre temps et votre énergie sur les petites choses, vous n'aurez plus de temps pour les choses vraiment importantes qui comptent pour vous. Soyez attentif aux choses qui sont cruciales à votre bonheur. Occupez-vous de vos balles de golf en premier, des choses vraiment importantes. Définissez vos priorités, parce que tout le reste n'est que du sable. Professeur, qu'est-ce que les bières représentent ? Content que vous posiez la question. Cela montre que, peu importe à quel point votre vie peut sembler remplie, il y aura toujours une place pour quelques bières avec un ami. Profite, mais profite, mon jeune. Tu as toute la nuit devant toi. Pas t'amuser. Tu as le temps. Ah, putain. Et qu'est-ce qui s'est passé, Ludo? T'avais l'air d'être possédé, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, dans tous les cas, n'oubliez pas, c'est pas vous qui avez le temps. C'est le temps qui vous a. Et si vous ressentez le besoin de rien faire, de passer votre vie sur une plage avec des jolies filles, ou si vous êtes une femme avec des beaux gosses, ou peu importe, demandez-vous pourquoi, parce que c'est pas normal que vous ayez 20, 30, 40, même 50 ans. Vous êtes plein de vie et cette vie peut que s'exprimer à travers des actions, à travers vos futures constructions, à travers un projet et surtout à travers tout ce que vous allez devenir et apprendre à travers la construction de ce projet. Voilà, je vous dis pas d'être entrepreneur, je vous dis juste de faire quelque chose et de faire ce qui vous plaît. Mais de le faire à fond et d'avoir une discipline dans ce que vous faites pour aller jusqu'au bout, quoi que ça vous en coûte.